sur la grande moyenne distribution, c'est essentiellement la nébulisation qui nous a fait connaître. Donc c'est une technologie particulière de nébulisation de gouttes à ultrasons. Donc on va générer des ultrasons à très haute fréquence et très haute puissance qui vont arracher les gouttes de l'eau et créer ce brouillard qui est très très fin, qui fait à peu près 2 microns. Les gouttes font 2 microns, 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Au départ, moi, c'est vrai que j'ai démarré, j'ai travaillé sur ces technologies-là à l'IMRAC, qui était un groupe franco-japonais. Enfin, à l'origine, c'était franco-japonais, maintenant, c'est essentiellement Toyota. Et on travaillait sur des technologies de climatisation de voitures, dans lesquelles on essayait d'utiliser cette nébulisation pour améliorer les performances, en fait. Il y a l'application fruits et légumes, c'est celle qui est la plus répandue. On doit être à 60-70% de nos installations qui sont en fruits et légumes. Mais après, voilà, on est en train d'essayer de développer beaucoup la boucherie, parce que la boucherie, c'est un rayon qui est assez répandu. La poissonnerie, c'est plus rare. Mais voilà, on a encore tous ces marchés. Et puis les fleurs, on a commencé aussi à faire des fleurs. Et après, on a d'autres applications, donc plus industrielles. Il y a des aéro-réfrigérants ici. Et en fait, en été, surtout dans nos régions, il y a des fois, les centrales de traitement d'air, elles se mettent en carafe parce qu'il fait trop chaud. Et en ajoutant de l'humidification, on va rabaisser la température et on va permettre qu'elle fonctionne plus longtemps. Donc ça, par exemple, on a équipé 400 Lidl.